va faire une vidéo un peu spéciale. On va, avec Bastien, faire un challenge. Donc, c'est quoi le challenge? C'est moi, je vais entraîner une débutante et Bastien va entraîner un débutant. Ok? On va faire des séances d'apprentissage, donc chacun de notre côté. Donc, moi, je vais entraîner ma débutante et Bastien, son débutant de ailleurs. Et on va, pour savoir qui est le meilleur prof et qui a le meilleur élève, faire un match doublette. Donc moi et Vicky contre Simon et Bastien. C'est des amis à nous qui n'ont jamais joué à la pétanque. Ils n'ont même pas touché une boule dans leur vie. Donc là, pour la première fois, ils touchent une boule. Attends, ça se dit pas. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Donc voilà, ils ont déjà commencé à s'entraîner en solo. Mais... Donc on avait parlé de les faire tester la pétanque pour qu'il y ait un peu d'enjeu. On avait dit qu'on pouvait parier un repas sur les gagnants. Du coup, on avait dit les filles contre les garçons. Ouais. Donc les filles commenceront avec 2 points d'avance. Attends. Et puis... Attends. Donc moi, j'entraînerai Simon, elle est l'entraîneur. Oui, je veux juste dire une chose. Bastien et Simon, ils ont un avantage. C'est que Bastien, il est quand même plus fort que moi. C'est vrai que tu commences avec 2 points d'avance. Oui, je sais. Mais moi, je pense en même temps que moi, je suis une meilleure... que moi je suis une meilleure prof et que Vicky sera beaucoup mieux que Simon et ça fera la grosse différence dans le match. On peut commencer à 0-0 et on si commence veux. En plus avec 2 points, donc vous allez être mort. Ok, c'est parti. Je présente le partenaire de Bastien, Simon. Bonjour Simon. Hi Simon. Hello. Ah, par contre il parle pas français. Mais on va mettre des sous-titres en français si c'est que non, je t'entends avec des subtitles. Ah, du coup, c'est le cas de nous, ça y est, non? Oui, c'est ça. Ok, Vicky! Yeah. Super Queen! Dream Team! Ça va bien, pas sûr, mais je suis en train. Come back, no option. Hint. Donc, mon objectif avec Vicky, c'est de l'apprendre à bien pointer. Je vais lui apprendre la base, comment tenir la boule, comment lâcher à peu près bien. Et je vais lui apprendre à faire l'aider à trouver les bonnes données et bien doser la boule. Doser. Yeah. So, voilà quoi. Voulant de holder le cul là, comment tu tiens la boule? Ça. Oh là là. Les garçons, ils s'entraînent avec des canettes de bière. Alltså, guttene bruker øl som virkemiddel. Nei. Alltså, vi er sportslige. Nå på nå la pétanque c'est un sport. Kun enhjørning tårer. Pour commencer, Simon, je lui ai montré un peu comment tenir la main et comment tenir la boule, je veux dire. Et donc lui, il est maintenu, enfin, il a commencé à prendre avec le pouce, donc j'ai dit c'est ok. Et lui, je lui dis qu'avec le pouce, parfois il y en a qui lancent la boule un peu comme ça de travers, et du coup ça fait un effet de côté. Donc je lui dis au bowling, c'est bien d'avoir un effet de côté, à la pétanque, c'est mieux d'avoir un effet bien droit. Donc je lui ai expliqué juste qu'il fallait qu'il plie un peu le poignet, et après qu'il ouvre bien droit pour avoir l'effet bien droit. Donc vas-y Simon, on regarde l'issel pour d'ailleurs. Ok. Mes horn LED. Ouais, bien, super. Je vous explique juste que là il faut un peu plus de hauteur sur ce terrain, donc il faut qu'il ait l'effet rétro mais avec un peu plus de hauteur. Sonne, vel de bra.
débrouillent bien, on va les éclater les filles. Åpne hånda. Ouvre bien la main. Åpne begge armene. Ja, fordi du pleier å gjøre sånn her. Oi, må du ikke komme sånn. Sånn. Nei! Det ble faktisk bra! Bravo! Bravo! Kom bra. Men det var jo mer nedslag, da. Ja, det var bra! Allez, maintenant, on s'entraîne un peu à monter un peu plus loin. Bra! Et je lui ai dit que la première belle boule, c'est toujours important d'être devant. Vicky, si tu arrives à doser les boules, on va gagner. On va espionner un peu pour comment ça va. Yeah. Allez, on va espionner un peu les mecs. Hi. Hey. Hey. Vous avez des espionnés? Non. Ah, ça va bien avec vous, eller? Ça va bien, moi. Ok. Bastien, il est nul, n'est-ce pas? Il est moyen. À 6 minutes. Ah ouais? Går det bra med Ronaldo? Ja. Vi skal prøve å tire, det er ikke for kompliceret, bare la samme teknikk for le point, med effekt backspin bien droit. Et donc bien ouvrir la main à la fin, et puis juste se concentrer sur, la boule. Donc voilà les premiers, ça a été les premiers tirs de Simon. Tout à l'heure il a fait 4 tirs, il a fait un carreau, il n'avait jamais tiré. Charlan n'est pas d'aide. Il doit prendre direct 4 tirs offerts, parce qu'on a tant qu'à faire. Autant prendre correctement. Ah, ok. Ok, non, on fait un match. Un essai. Un match d'essai. How much are we worth? Ok. Allez, Vicky. Bra. Oh yeah, oh yeah. 5 points. 4? Ok, 4 points. Give me 5. Det er ikke så lett. Til og med vi som har spilt kan være dårlige. Jeg vant du. 1 poeng. Ja, ja, men det er bra. Altså, musesteg i riktig retning nå. Pourquoi, vous voulez la revanche, pourquoi? On vous a laissé gagner tranquillement pour... Non. On a gagné 13-4. 13-4. Alors, c'était un gros spiel. Alors, pour l'instant, je suis la meilleure prof, hein, attention. Ok, je vais t'arrêter. C'est le meilleur basque pour demain. Allez, on va passer. Là, on est... On est assez bons pour... On n'a pas de problème. On a des problèmes. On est assez bons pour demain. Ok, on va commence à faire tard. Et maintenant, on va faire un dernier match avant de finir cette séance d'apprentissage. Oh. Yes. Dere tapte, altså, synd. Hva må dere gjøre? Vi må tape for å vite hva som står på spill, vet du. Ok. Vi synes det ble litt for lett, så vi trengte litt motstand. Nei, ja, synd det. Så hva må dere gjøre? Sett i oppvaskmaskinen. Men vi gleder oss til middag. Vi har vunnet finalen. Så vi tar gjerne... Nei, dere må vinne. Vi tar gjerne oppvaskmaskinen. Vi vant 13-4 i sted, og dere vant bare 13-5 nå. Så... Er du glad til å ikke måtte vaske opp? Ta oppvask? Jeg er glad for det, altså. Ja? Slipper jeg det. Er det kult, det? Det var litt lett.
Og så får vi middag i tillegg snart. Ja, det er sant.